Les amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans le Téléjournal Aswea. Sans perdre de temps, nous allons voir le plus gros point qui a dominé l'actualité. Mais grand titio, ministre économie et finance, Jude Alix Patrick Salomon, déposé jeudi 28 juin des projets de loi dans le Sénat et dans la Chambre des députés. Un de ces projets de loi rectificatifs budget 2017-2018, là. L'autre, là, c'est projet de loi 2018-2019, là. Dans le cadre de caravane changement, travail Kirage à Rivière continue à avancer dans Rivière Coujol qui trouve dans la ville Arcaillet, département l'Ouest. Technicien CNE yo réparé et puis mette opérationnel ADM yo matériel yo pour produit asphalte dans usine asphalte dans Akul Gromone qui dans département la Tibonite. Éducation examen baccalauréat yo fini jeudi 28 juin sous tout territoire environ 144 000 candidats sibi épreuve sa yo qui était commencé lundi 25 juin. Et puis, dans l'actualité internationale, là, il y a un sommet bilatéral entre le président américain Donald Trump et Tokay Rusli. Vladimir Poutine prévoit dérouler dans le capital pays Finlande, Helsinki, 16 juillet 2018. Là, sommet ça a visé à baisser tension et puis améliorer les relations des pays. C'est pour ça qu'on va développer pour un petit moment. Restez branchés, Naptonin. Sous télévision nationale d'Haïti n'a pas démarré avec page météorologique journal là que collaborateur nous Wilner Polidor a présenté nous. Jeudi 28 juin 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique là. Temps très stable sous pays là, même si il y a un creux en altitude, en allant comme la situation est sous pays d'Haïti. Zone de haute pression toujours à influencer conditions météorologiques là sous région caribéenne, dont Haïti. Et situation ça a provoqué un temps qui est stable sous majorité département. Et ça veut dire qu'il y a un temps qui a venté et ensoleillé au cours de journée et à l'isée de ça qui potait en pile brume de sable qui sortit dans le désert Sahara a vraiment obstrué visibilité à ce pays. Mais dans l'ensemble, au cours de journée, c'est beau temps avec soleil et puis vent. Mais en soirée, il y a une possibilité pour gagner quelques gouttes de la pluie sous certains départements par rapport avec cold altitude qui trouvait les sous pays d'Haïti. Il est capable de provoquer quelques averses en soirée au cours de nuit. Et département nord-est, Antibonite, le centre capable concerné par activité la pluie Sahara et toute région sud-là, il y a une possibilité pour gagner quelques gouttes en soirée ou au cours de nuit, même si c'est pas gros la pluie, mais il y a une possibilité en soirée ou au cours de nuit pour gagner quelques gouttes la pluie sous département de notre cité là. Pour capitale, la région qui environne son capitale qui joue de beau temps avec soleil et puis vent qui a vanté au cours de journée, et brume de sable qui toujours a réduit visibilité à, mais en soirée, si tout sous monde là, il y a une possibilité pour gagner quelques gouttes la pluie en soirée ou bien au cours de nuit là, même si c'est vraiment de petites averses isolées, mais nous allons attendre nous avec quelques laouzailles sous tête monio. Température aujourd'hui, elle a fait très chaud sous pays d'Haïti. C'est 36 degrés la montée. Vraiment, elle a fait très chaud. Et la nuit de l'an, c'est 25 degrés la descente. Et n'a pas senti effet de chaleur au cours de nuit de l'an. Nous avons l'homme qui a agité non seulement sous côte sud pays d'Haïti et côte nord. Capitaine, nous avons une petite précaution. Si tout le monde est rentré dans le fond de la mer, pour prendre précaution parce que la mer a très agité, même jusqu'à faute sous côte sud pays d'Haïti. Et pour pas dire sur le micro, cela a couché jeudi à 7h30 et la pluie de matin à 6h15. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous allons croiser demain pour notre page météorologique. Merci Wilner Polidor, ministre économie et financement Jude Patrick Alix Salomon fait dépôt jeudi 28 juin des projets de loi finance dans le bureau Chambre députée 1. Youn ces projets loi rectificative exercice fiscal 2017-2018 là. L'autre là ces projets de loi initial 2018-2019. Président Chambre députée a transmettre des projets sayo by commission finance Chambre là pour analyse. Un extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Bridge. Conformément à nos règlements intérieurs et la constitution de 1987 amendée, nous avons l'insigne honneur d'inviter le ministre des Finances, M. Patrick Alix Salomon, à faire
le dépôt de deux instruments, les bouts de deux instruments importants pour l'avenir de la République d'Haïti, à savoir le budget rectificatif 2017-2018 et le budget 2018-2019. Donc, comme vous le savez, et chers collègues qui sont ici présents, et la presse parle également, écrite et télévisée, donc et ces instruments, c'est-à-dire les deux budgets, en particulier le budget 18-19, et ces instruments, bien sûr, doivent être déposés au plus tard le 30 de ce mois, conformément à la Constitution. Ministre économie et finance lan Jude Alix Patrick Salomon confirmé projet loi finance initiale 2018-2019 175,885 milliards gourdes 125 milliards ses recettes domestiques 50 milliards ses API budgétaires alors que projet loi finance rectificative là évalué à 156 millions gourdes ministre finance lan t'est tout poté loi règlement pendant dépôt des projets loi Sayo. Yon extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. C'est avec le sentiment du respect de la Constitution et des institutions du pays que aujourd'hui je viens au bureau de la Chambre des députés pour faire dans les limites prescrites par nos lois de faire le dépôt de la loi de finances initiale et celui de la loi de finances rectificative 17-18. Ce sont deux éléments importants dans la poursuite des actions qui sont déjà engagées par notre gouvernement. On a bien vu que malgré les ressources limitées, le gouvernement a pris toute la mesure des difficultés et s'est assuré de travailler d'arrache-pied pour pourvoir l'ensemble des directions départementales d'instruments à la fois des équipements lourds et des équipements agricoles. Ceci, c'est pour permettre de renforcer la production nationale. Et dans le cadre du budget 18-19, on a initié des mesures visant à renforcer la production nationale, notamment des mesures tarifaires, ce pour nous permettre de nous assurer que la production locale puisse avoir tout cet espace de visibilité pour permettre à l'ensemble des compatriotes de pouvoir apprécier cette production. N'a pas précisé, ministre économie et finance là, Jude Alix Patrick Salomon, fait même exercice là, non, Sénat République là, j'ai dit 28 juin, non, même Jean, il était fait ça dans l'autre chambre là, bureau Sénat République là, qui gagne en tête li, sénateur Joseph Lambert, recevoir document dans l'idée pour remettre li bail à commission économie et finance Sénat République là, n'a pas rappelé projet loi finance 2018-2019 là, évalué à 175,885 milliards gourdes, 125 milliards ses recettes domestiques, 50 milliards ses appuis budgétaires, alors que projet loi finance rectificative là évalué à 156 millions gourdes. L'autre dossier dans le journal là, dans le cadre de caravane changement, travail qui radio avancé dans rivière Coujol qui trouvait dans ville Arcaïe, département l'Ouest. En suivant un reportage avec Daline Dorival et Michel Joseph. Yon mois depuis président République là, Jovenel Moïse, lancé travail qui rage à renforcement belge sur rivière Coujol dans le cadre caravane changement. Travail yon pas campé. Citoyens dans la zone là, salié GFOT technicien TPTC yo a fait dans rivière ya. Ça ka permettre de gars yo limiter les mauvais temps. Première fois, on bagaille comme ça fait dans Coujol. Première fois. Et mon cher, je suis bien content, mon cher, je suis satisfait. Même, souhaité pour M. faire même 20 ans dans le pouvoir. Vous voyez, dit président, merci en pile parce que pour qu'il y a là, nous avons souffert grâce à président. Nous battons un gros bravo pour le président Jovenel. C'est pour la première fois que nous avons dit Rivière Coujol commence à curer comme ça.
bien que la beaucoup fini, mais nous-mêmes à 80% la population nous satisfait. Mais nous battons gros bravo pour le président Jovenel. Et c'est pour la première fois un gros travail qu'on s'est fait. D'accord. Travail ça y est qui pral éviter inondation, qui compte baïke cassé dans la ville à Kaye, rentrer dans le cadre caravane changement, qui c'est une stratégie, administration Moïse à gouvernement Lafontaine mette campé pour améliorer les conditions de la vie de la population. Technicien CNE yo réparé et puis mettez opérationnel ADM yon matériel pour produire asphalte dans usine asphalte dans Akul Gromon qui dans département la Tibonite pendant visite commission pour restructuration centre national équipement mercredi 27 juin dans usine asphalte ça coordonnateur commission qui entend lui promet y a travail à technicien ingénieur et puis employé CNE yo pour réparer tout matériel qui méritait réparer et puis météo dans service population. Reportage Falland Delphin avec Rémi Godjit. Matériel ça installé depuis quelques mois après ouverture usine asphalte dans la Kil Gromon. Appareil ça pral permettre gain asphalte qui produit pour construire route dans département nord et nord-ouest dans quatre caravanes changement. Coordonnateur commission restructuration et renforcement centre national équipement CNE Kinton Louis félicité et puis encourager technicien CNE dans travail à faire pour faciliter bon fonctionnement matériel yo qui permettre travail caravane changement effectif dans département yo. L'organe des quantités comme matériel ça te coûté l'état haïtien et puis pour matériel là t'es abandonné, c'est ton argent perdu. Jodi an avec président Jovenel Moïse, nous avons matériel qui réparé et jodi an il en service peuple là. Et n'a dit peuple haïtien, président te promet travail, président a travail et m'a profité féliciter technicien CNE. M'a félicité ingénieur CNE. Matériel ça a été acheté depuis dans l'année 2009 à cause d'été abandonné dans zone tabac, responsable jeune plusieurs pièces te manqué la donne. Matériel ça qui déjà commencé produit asphalte qui déposé sous différents tronçons route dans département a contribué dans concrétiser rêve chef l'état qui s'est connecté commune une à l'autre dans l'idée pour renforcer économie pays a. Nous allons parler éducation, examen baccalauréat fini jeudi 28 juin sous tout territoire. Environ 144 000 candidats CIBI épreuve SAIO qui était commencé lundi 25 juin. John Herbie Casseus avec Moïse Wilbridge a présenté un reportage. C'est environ 144 000 candidats qui étaient participés dans l'examen baccalauréat ANESA. Sous quantité participants SAIO, environ 5 000 étaient trouvés dans le cas irrégularité. Ça pas de jeune fiche, ça te gen non yo mal écrit ou soit pas jeune photo pa yo sou fiche yo. Élève ça, c'est un nan candidat qui était dans situation an. Malgré inquiétude li, élève la fait connait, il était bien composé dans examen yo. Demoiselle la rete quoi, responsable ministère éducation nationale ak formation professionnelle yo, pral fait tout ça qui nécessaire pour bien traiter dossier candidat qui te gen problème dans fiche yo. Bon, question m'a posé, c'est qui je nous pral faire connait que qui j'ai obligé le faire pour obtenir résultat, qui j'ai nous-mêmes nous obligé le faire connaître pour nous prendre et puis qui ça nous a besoin pour nous car al des résultats. D'accord. Yo prend numéro nous tout ça, mais n'a pas suivi quand même. Année académique 2017-2018, la campagne là pour candidat. Rendez-vous à cassé pour résultat examen yo qui t'a supposé disponible dans mois août qui vient là d'après ministre éducation nationale et formation professionnelle là Pierre Josué Agenor Kadé. Ministre éducation nationale et formation professionnelle là Pierre José Agenor Kadé visité jeudi 28 juin centre institution adventiste auditorium la Bible. Visite ça té occasion pour ministre là gadé comment examen baccalauréat yo déroulé dans centre ça qui gain candidat handicapé yo. Un reportage Rachel Saint-Fort ak Frenel Toussaint. C'est plus passé en dizaine de candidats qui ont mobilité réduite, qui ciblent examen baccalauréat dans le centre institution adventiste auditorium la Bible. D'après le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, la visite ça te permet de garder l'environnement côté candidats qui ont besoin spécial de composer et performance dans l'examen. Nous disons qu'il faut que nous marchions garder comme nous avons. Mais ici, même, c'est un centre tout à fait spécial. Parce que c'est là que nous accueillons tout le monde à mobilité réduite. Donc, il mérite une grosse attention sur cette société.
Parce que nous connaissons pendant longtemps, nous avons une sorte de société discriminatoire. Et je dis à nous dit, faut que nous résoudre le problème de discrimination dans la société. Pour nous montrer que tout le monde c'est monde. Quel que soit le rang social, quel que soit la couleur, quel que soit la taille. Donc tout le monde doit être en tant que monde. Nous jouons tout le monde qui est frappé de cécité, qui est sous muet, qui est un handicap moteur là. Donc nous jouons 16 candidats qui ont proposé là. Mais nous regardons là, nous avons des copies de monde, c'est extraordinaire. Nous jouons tout le monde qui commence à faire affaire individuellement. Donc contrairement à l'autre centre nous passons. Mais en gros c'est ça, nous passons dans, tout, dans plusieurs centres pour nous regarder comment ça y est. Et nous disons centre ça lui-même attire l'attention surtout avec Timounio parce qu'on regarde au grand cadre avec eux parce que depuis nous venons tête ministère et bien avant tout c'était un mouvement qui était fait mais nous prend nous faisons prise en charge globale de tout Timoun à mobilité réduite yo parce qu'il faut nous montrer que et au même tout puis pas senti pour nos sociétés qui émettent au dehors mais tout le monde c'est monde et on regarde tout sous passer dans ministère on joint que deux premières nominations sont faites ou bien deux seules nominations sont faites c'est deux monde à mobilité réduite qui c'est deux gros cas actuellement dans ministère deux mesdames dans l'occasion responsable centre qui fait qu'on est apprécié visite ministre dans centre là profiter féliciter candidat yo pour effort fait pour arriver dans classe ça il souhaitait visite ça permettre population puis bien connaître besoin catégorie moun sa yo et puis faciliter au continuer à étudier au niveau université. Visite ministre dans Saint-Yabla, là c'est une parmi différentes visites responsable dans ministère affaires dans divers centres examen dans pays a pour connaître comment examen baccalauréat déroulé. Ministre renouvelé l'engagement pour continuer travail pour résoudre problème discrimination en bas dans pays a pour permettre moun handicapé aux jeunes place dans société a. Plusieurs candidats qui ont participé dans l'examen philo avec nouveau secondaire dans ville Port-de-Paix éliminé pour fraude. C'est directeur départemental Mefnan Nord-Ouest qui confirmait l'information. Ça, en suivant. Superviseur dans centre examen foi instruction chrétienne dans ville Port-de-Paix te joint nan main chaque élève sa yo yon téléphone côté réponse examen anglais t'ap monté yon après l'autre même en présence juge de paix réseau mafia te continué à travailler côté message pas de suspendre monté sous téléphone sa yo ça qui te habilité la police conduit candidat sa yo dans commissariat Port-de-Paix sous l'autre juge de paix d'après professeur Amuel Wibler Dufresne qui c'est directeur départemental MNFP dans Nord-Ouest comme d'habitude la quelques élèves qui toujours pour tes poules, nous devons découvrir tout et trois téléphones avec examen qui a monté sur eux. C'est qu'il y a traité examen à distance. Donc, nous avons les juges de paix qui disent ces procès verbal et le dossier qui est allé devant le commissaire gouvernement. Moi, nous avons seulement fait suite administrative nous-mêmes, candidat ça a éliminé. À pas de cas incident ça y est, examen a été bien déroulé dans l'ensemble dans le département nord-ouest là, selon explication professeur Amuel, qui toutefois dit le remarquer seulement, il y a quelques surveillants qui n'ont pas de profil pour ça, mais c'est responsable. Responsabilité monde ou bien institution qui t'est proposé yoa. Examen philo avec nouveau secondaire 4 dans l'Ouest, yo passé très bien parce que pas d'incident majeur. Il y a des surveillants qui parlent à la hauteur de tâche yo. On prend note et demande rapport que tout surveillant qui parlent à la hauteur de tâche yo qui pas fait job yo bien, yo plus à veiller superviseur ou responsable de centre pour qu'a quitter les yo fait des autres. Moun sa c'est pas moun direction départementale a reconduit dans surveillance examen même si c'était recommandation. Yo constat qui pas dépa avec déclaration coordonnateur départemental Inoué à Nord-Ouest, professeur McDonald Antoine qui parlait de acquaintance politique dans choix surveillant côté si majorité monde qui pas enseignant et qui pas tagué en quelle notion dans éducation qui était dans salle examen yo. Depuis c'était Capral Amor pour de père Marc Edi Osam antenne télévision l'état. Il y a deux candidats qui éliminaient tout dans l'examen baccalauréat dans Miragouane. Il y a une décision qui vient après responsable centre découvrir yon ak yon téléphone. L'autre là, te gen yon pansement dans oreille pour cacher yon casse Bluetooth ak yon téléphone dans pile. Anne Myriam Loiseau, depuis Miragouane, bwa di nou plus. Pendant déroulement examen baccalauréat dans le département NIP, il y a deux candidats réguliers après constat légal qui éliminé dans l'examen officiel pour l'année académique 2017-2018 dans la ville Miragouane.
direction départementale NIP éducation prend décision ça après responsable santé pendant deuxième journée on t'est supprimer un candidat à utiliser au table l'autre candidat 27 juin on t'est gagné un casque bluetooth dans oreille professeur Odel Joseph directeur départemental NIP là qui dit élève ça fait partie d'un réseau a expliqué il y a information qui a circulé que c'est un cas qui a fonctionné côté que les gagnants il semble il a fait semblant que les malades quelques pansements dans oreille alors que c'est un casque qu'il gagne côté que la commis dehors c'est-à-dire pour prendre examen voyez aller dehors et puis les bébés petit tel c'est comme ça pour la faute et puis un téléphone qui est sous et qui en bas pantalonné côté le TP téléphone là personne ne pas capable il pas qu'à tomber tout parce qu'il TP en dedans et en dedans pantalon ils sont bluetooth casse là candidat ça yo pendant deux l'année pas qu'à participer à examen officiel selon Odel Joseph qui dit gain enquête qui l'ouvre pour connaître si pas gain acteur dans système éducatif là qui fait partie réseau a côté chaque participant payer 2500 gourdes frais inscription pour jeune examen ou là y a composé n'a fait remarquer groupe ça composé de 60 élèves différents établis scolaires dans département majorité là-dedans yo c'est élèves qui sorti dans l'école commune petite rivière de Nip Anne Myriam Loazo métropolitain Miragouane pour TNH. Ministre éducation nationale et formation professionnelle là Pierre Josué Agenor Cadet déclaré examen baccalauréat yo déroulé sans trop difficulté dans 10 départements pays là. Ministre l'en fait qu'on a été enregistré quelques incidents pendant premier journée examen yo côté plusieurs milliers de candidats pas de gain fiche dans main yo. Ministre Pierre Josué Agenor Cadet annoncé yon ensemble mezi ministère apprend pour ka sa yo pas répété parmi mezi sa yo à partir année prochaine aucun directeur l'école privée papa inscrit élève récalé dans baccalauréat. Un extrait dans micro Rachel Sinfo avec Frenel Toussaint. Donc tu as un cas de boycottage ou de sabotage pour te bloquer examen dans premier jour avec des milliers de monde qui débarquent qui dit fils et étudiant oui c'est candidat oui. Et heureusement nous avons tout en presque tout en couleur. Donc si nous avons environ 5000 là et nous fait tout rentrer nous ça nous dit bon OK nous fait 500 nous mettez et les analyser dossier dans demain il y a plus passer 60% pour ça encore parce que c'est des monde qui devraient venir faire infiltration donc tu gagne là-dedans c'est ça qui t'a passé là-dedans donc l'autre après ça bon nous arrivons à joindre nous te gagne 454 qui était OK dans 454 qui était là les analyser dossier yo nous jeune seulement 33 dans yo qui si ont inscrit qui capable valider 33 seulement gain dossier en main. Bon pratique qui existait dans affaire baccalauréat nous vinn freiner pratique côté monde qu'on apprend tant pour faire l'argent dans examen l'état. Donc qui c'est monde dans ministère avec monde qui dit au ministère. Deuxième bagarre tout grand pile responsable l'école qui fait état de négligence grave. Par exemple soit au bon petit monde non, il inscrit petit monde avec des données qui fausses. Donc la inscrit petit monde non, il pas écrit notre petit monde bien. Qu'on a l'air tout monde ça va l'inscrire la machine pas nous pour pas coup dans le système dans pas là gagné en tout qui prend petit monde qui fait 9e année qui pas de passer yo vient inscrire tout ça faut bloquer gagné petit monde tout pas de passer dans seconde qui pas de passer dans reto parce que les petits monde dans l'école chaque année toute école porter dans ministère dans direction départementale ça nous les listes de formation de classe et liste de décision de fin d'année donc au début de l'année gon liste de formation de classe qui dépose dans ministère à la fin de l'année gon liste de décision maintenant à partir de liste de décision ça les petits monde ça arrivé dans philo ou fait plusieurs étapes ou va regarder d'abord est-ce que petit monde ça a passé dans 9e s'il est passé dans 9e est-ce que pour petit il a 4 ans depuis là dans 9e parce que s'il gagne 2 3 ans il va là-dedans parce que son petit monde qui pas passé dans 9e qui a fait classe supérieure s'il pas si nous est passé dans 9e normalement et dans philo en 4e année depuis là dans 9e ou bien plus petit monde ça a regardé dans liste de décision seconde est-ce qu'elle était passé. S'il passe dans la seconde, on a regardé est-ce qu'elle dépasse dans le retour. Maintenant, depuis tout ça réuni, Timoun Sa lui-même l'a validé. Réseau enseignant et enseignante haïtien mandé jeudi 28 juin responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle prend disposition pour empêcher cas irrégularité qui enregistré dans session ordinaire baccalauréat année académique 2017-2018 répété responsable formation nan rien Marie Dieu la Jean-Louis a bail précision nan micro Midray Elias.
faut une supervision qui fait yo ouais que l'école yo une structure qui accueille ti moun nou yo parce que au point de vue psychologique l'rentre en compte au centre ou mal à l'aise il déjà gain conséquences sur mental ou qui agit sous corps résultat pour ta bail il va li wa et en pile et jeune nous qui pas réussi dans baccalauréat et pas parce que yo pas bon non m'a dit tout non c'est parce que yo traumatisé mentalement et puis qu'on a vinn pas ka écrit et autre chose, système noir, les réduit à récitation, transmission de connaissances qui passent dans le livre et puis récitation. Et ça fait grand pile tricherie comme ça qui est institutionnalisé parce que le monde n'a pas qu'à réciter, il tricher. Tandis que nous-mêmes, dans le, ça nous prône comme amélioration, c'est construction de connaissances, de compétences. Pour nous divorcer à transmission, pour nous aller dans la construction. De l'autre côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a annoncé qu'il prend sanction contre plusieurs l'école, directeur l'école qui fait faux fiches pour voyer élèves aller composer dans l'examen baccalauréat. Dans le cadre de ce ça, le ministre en fait qu'on ait retiré licence plusieurs l'école et puis lancé mandat contre plusieurs directeurs l'école. Il y a un extrait dans le micro Rachel Sinfo et Frenel Toussaint. Son monde dans zone qui entre dans environ lycée au fanatique argentine les argentins fait qu'on tire carrément et puis balle là même monter là le percé tol la percé bagaille qui l'école là et puis il vient il prend timon en tête okay. Mais actuellement depuis non demain matin timon en tête dans la cali donc nous même là nous apprendre ça dans ministère nous devons en délégation aller al prendre timon en cours avec l'hôpital acheter médicaments tout nous prendre d'accompagner timon en bon matin en temps de ça dans la presse. Mais c'est pas vrai. Donc car incident produit mais pas de arrestation. Mais son candidat là dans salle de classe. Maintenant nous se parler de l'Italie là. Donc son petit monde, un candidat qui vient composer, il prend pause qu'il est malade, gros pansement dans tête dans oreille et puis en bas pansement dans oreille, gon bluetooth et pour téléphone dans pied. Donc là où il arrive détecter grâce à vigilance son gardien qui a passé quoi gens ou monsieur le malade, là on prend pour l'hôpital, il pété coquin. Donc c'est là il a fait gros rondement, il prend pose d'ap casé brisé donc yo relé la police mais pas pour arrêter pour une maîtriser et la police prend yo menel directement dans direction de l'éducation, l'éducation dans NIP côté yo relé juge de paix vient faire constat donc seulement mesure administrative qui prend compte pour ça pour pipiti l'a fait 3 ans pas calant examen baccalauréat et 4 dans yo qui c'est l'école qui sous Delma donc 4 écoles sous Delma et l'école ça c'est des écoles qui gagne ti moun yo dit pas gagne fiche et au dernier moment yo fait fausse fiche ba timoun yo parce que timoun sont aussi pas timoun qui est capable valider c'est timoun qui pas passé dans seconde dans rito ou bien pas passé dans 9e que ou voulait inscrit mais dans tant longtemps ou vrai yo te kon rivé passer inscrit yo et yo te kon faire gros magolage dans YouTube et chaque timoun sa son gros magolage en paix donc ça fait nous kembe yo pour al ba gagne timoun nous joindre même qui fait des témoignages donc timoun yo parler et c'est eux même qui étaient sous piste pour al prendre directeur l'école ça bon sanction d'abord qui administrative au niveau ministère. Côté licence, l'école sera confisquée. L'école sera pas existante quoi en tant que l'école. Deuxième bagaille nous faire, nous prenons un juge de paix, qu'elle pose scellé dans l'école ça. Troisième bagaille là, il y a 4 directeurs là qui ont un mandat d'amener contre eux-mêmes. Donc pour la justice maintenant qu'a fait poursuivre qu'a fait suite là. Qui dans l'école ça on gagne. Bon, mon question celle qui dans tête moi comme lui même dit déjà clair, mais l'autre trois lui même yo sous processus ça toujours matin encore JDP à l'issue de Delma, mais gagne que les mon que c'est collège et Daphinus Novel. Donc ça lui même son cas qui fait depuis avant examen même, nous t'al souli nous t'es sous piste là, mais l'autre trois cas gagne trois l'autre cas encore nous mon y a chercher là pour quoi yo. Peut-être on doit quand même connaître ça chercher bon, yo ka connaît tout, mais nous pas là dire là qu'on y a pour n'al craser bagarre la justice. Parce qu'on en a fait la justice, bagaille fait de manière secrète. L'elfine dévoilé, nous avons dit, mais si la justice pour quoi agit, nous allons courir agir avant la justice. Nous arrivons au moment pour nous observer. Deuxième pause, nous dans le journal là, pas débranché, Naptoné. Actualité à poursuivre, dirigeant Association nationale magistrat haïtien ANAMA l'ouvri jeudi 28 juin à Port-au-Prince, 7e congrès national association. Congrès ça qui réunit magistrats qui soutiennent dans 10 départements PIA à occasion tout pour renouveler conseil direction association ça, d'après président association Durin Junior. Pendant des journées ça, divers professionnels la loi a bien pour réfléchir sur divers points et spécialement le commissaire du gouvernement, défenseur de la société au bras répressif des pouvoirs politiques, y a un extrait d'Amico Esaïe Aurelius avec Moïse Wilbrich.
c'est le 7e congrès à Nama et qui a débouché sur des élections qui pour remplacer le comité acte et mandat de 3 ans qui arrive à terme aujourd'hui. Et nous avons un sujet nous mettre en débat, c'est le statut commissaire gouvernement parce que le statut est vraiment précaire. Au lieu des défenseurs de la société dans tous les cas, mais dans des cas où je n'ai comme des défenseurs de la société lorsque ils sont malheureux qu'en après, mais lorsque son groupe potent à pouvoir qui en difficulté, il ne va même parler de ça. Donc nous, c'est parce qu'il est très fragile, il n'y a pas un statut vraiment qui a une stabilité, qui a un mandat ou bien que, qui garantit une certaine inamovibilité en dedans pour ça. Donc on a un débat sur la situation ça et pour nous sortir avec une résolution que l'association magistrat a gommé pour appliquer. Nous avons des recommandations à nous faire, nous dénoncer que le pouvoir judiciaire là, l'indépendance est sur papier, c'est pour nous, actuellement nous n'avons aucune indépendance. Nous dénoncer une série de pratiques pour reconduire le mandat et nous dit que le critère honnêteté n'a pas un critère encore pour reconduire le mandat parce que nous avons un juge Saint-Cizère qui croit des bouquets en dépit que tout le monde compte honnêteté et crédibilité et ça fait 2 ans le mandat fini jusqu'à présent, l'exécutif n'a pas voulu reconduire. Nous disons que la pratique n'est pas bonne. Nous recommandons que à l'avenir, magistrat faut nous mettre CSPJ qui pour nommer pour un pouvoir politique et si magistrat en poste, il faut mandat reconduit tout le temps tant que ou pas un bagage que ou reproche. Je pense qu'il y a autant de propositions que nous faisons pour nous arriver à un pouvoir entièrement indépendant. Et tout le monde qui est dans l'ancien comité a pris candidat, sauf moi qui gagne pour me participer au CSPJ. Donc, on n'est pas capable de syndicaliste pour rentrer dans le CSPJ. La pression de compte là, c'est face à moi, je vais une pression. Donc, il y a l'autre monde, c'est sûr, c'est Maître Morin, c'est unique candidat pour la présidence. Donc, et c'est sûr que il y aura le prochain président de l'Association nationale des magistrats ici. Dossier Jeune Chambre d'Haïti lancé jeudi 28 juin, 7e édition concours les 10 jeunes les plus remarquables d'Haïti pour jeunes qui gagnent l'âge 18 ans, arrivé 40 ans. Concours s'est déroulé sorti 30 octobre pour arriver 3 novembre 2018 dans le pays Inde. D'après directeur national TOIP 2018, Samuel Jean-Baptiste, concours a visé récompenser et puis fait promotion pour 10 jeunes qui gagnent connaissances avancées dans le domaine économie, entrepreneuriat, leadership, technologie et innovation médicale. En suivant précision, Samuel Jean-Baptiste, dans le micro, Marie Jolie et Hervé Pierre. Nous sommes pratiquement en 7e édition, côté que nous couvrons et on dit un ensemble de domaines, notamment domaines qui liés à l'entrepreneuriat, et politique, et éducation culturelle, environnement, et protection de l'enfant ou encore droits humains, question de bénévolat, encore question de volontariat, technologie, moyens de grande réalisation et innovation médicale ou encore dans réalisation personnelle. Donc c'est 10 domaines que nous-mêmes nous couvrons et là-dedans nous avons gagné 10 lauréats que nous-mêmes avons gagné et lauréats des lauréats qui ont gagné l'opportunité pour que nous soyons capables de représenter non seulement juste Haïti mais Haïti même dans le TOI mondial. Parce que TOI n'est pas un concours qui est à l'échelle nationale seulement, c'est un concours qui est à l'échelle mondiale et que nous-mêmes ici en Haïti, nous réalisons pour que nous soyons capables de postuler à l'échelle internationale. Donc c'est pratiquement ça. Pour nous être capables de participer en termes de conditions, c'est premièrement, il faut que l'ajout situé entre 18 et 40 ans pendant tout déroulement concours. Deuxièmement, il faut que de nationalité haïtienne. Donc, parce que c'est Haïti qu'on peut présenter, donc si tu n'as pas l'autre nationalité, ou pas qu'à participer dans le concours. Et pour capable de joindre le formulaire, c'est sur la page Facebook, non, toi, JCI Haïti, ou encore Jeune Chambre Internationale Haïti, et formulaire, link dans la disponible, dès ce matin. Et puis, on a gagné tout et formulaire qui est disponible dans tout espace qui supporte nous, notamment Banche, référence à Haïti, Coup de Point, nous avons tout médiatexte, côté que nous avons besoin formulaire qui est disponible pour que les gens soient capables de prendre, les remplir et les tourner pour nous dans l'adresse électronique. Donc, c'est toi, JCI Haïti, à commercial gmail.com.
Brasserie nationale d'Haïti, Brana, présentée jeudi 29 juin 2018. Là, il y a une nouvelle étiquette avec une nouvelle canette pour bien prestige. D'après Régine René Labrousse, manager affaires publiques dans Brana, initiative Sayo, prend c'est une façon pour bien prestige là, plus visibilité pendant la encourager la population à consommer produits Branayo, un objectif pour renforcer l'économie nationale là. Et puis, plus valait avec la production nationale. Là. Régine René Labrosse, plus explications dans le micro, Hurtelou Marie Dudon avec Moïse Ulbrich. Aujourd'hui, c'est un moment exceptionnel pour nous parce que nous lançons une nouvelle étiquette Prestige. Nous connaissons Prestige là depuis 1976. Et puis, nous, à travers études de marché, qui ça, nous faisons des recherches, qui ça, consommateur, voulait vraiment, qui ça, cap parler avec cœur. Et puis, c'est là, nous avons lancé une nouvelle étiquette. C'est une nouvelle étiquette Prestige là, et même nouveau canette là. Mais c'est belle barre brasserie à faire. Et pour nous reprocher nous de jeunesse en particulier, si nous regardons les réclames Prestige, là, la connecter plus avec haïtiens d'âge 18 ans à 35 ans, à 25 ans. Et pour qui ça nous décide de faire une campagne qui rapproche nous de jeunes haïtiens, c'est parce que nous remarquons dans le pays, hein, c'est un groupe haïtien qui a besoin un peu plus d'encadrement, un peu plus de positivité. So, Prestige là pour nous, Prestige là pour tout le monde. So, nous, moi, je vraiment souhaité ben, un aspect d'encouragement pour qu'ils travaillent encore pour faire ça dans la vie. Yo. J'en ai toujours dit, Brana a une mission pour brasser la joie dans la vie. Chaque haïtien nous encourage vraiment et enjoy le produit nous, mais consommation responsable est très important pour nous tous. So, excès, nous pas besoin, consommation responsable, Prestige dans la pire. Responsable automécaillot inauguré jeudi 28 juin, il y a un nouveau showroom d'après une responsable maison automécaillot inauguration showroom tout neuf ça bral permet yo bay client yo pi bon service. En suivant extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre. L'inauguration, la grande ouverture du nouveau showroom Volvo. Donc ce showroom-là est consacré essentiellement et spécifiquement pour la marque Volvo. La différence, comme vous pouvez le voir, il est extrêmement moderne avec et un mobilier qui est vraiment aussi très, très, très moderne. Et à vrai dire, il n'y a pas de comparaison entre ce nouveau showroom et l'ancien showroom. Donc on a mis beaucoup de temps, à choisir aussi les mobiliers, les architectes ont beaucoup travaillé et pour pouvoir arriver à ce succès et à offrir le meilleur et pour Automeca et pour Volvo en Haïti. Maintenant, ces marques de prestige et exigent des distributeurs dans tous les pays d'avoir une image qui va avec leur vision du luxe, leur vision de qualité, de marque, de prestige. Donc, ils exigent que nous suivons, comme dans tous les pays, un certain standard qui va avec leur image. Nous allons observer une autre pause dans le journal-là. Restez branchés, Naptonet. Nous allons faire un coup de pied tout coûte l'autre bord de l'eau. Il y a un sommet bilatéral entre président américain Donald Trump et Tokaï Rusli. Vladimir Poutine prévoit dérouler dans la capitale pays Finlande, Helsinki, 16 juillet 2018. Là, sommet ça visait baisser tension yo et puis améliorer relation yo qui dégradait entre deux pays. En suivant. Président américain Donald Trump et Tokaï Rusli Vladimir Poutine pral rencontrer 16 juillet kap vini la dans la capitale pays Finlande Helsinki pour un premier sommet bilatéral. Objectif rencontre ça c'est tenter baisser tension yo et puis améliorer relation en deux pays yo. Relation ça qui pas jamais détériorer comme ça depuis guerre froide là. Des tensions en deux pays yo, conflit syrien, crise ukrainien ak accusation ingérence russe dans présidentiel américain dans l'année 2016. Sommet ça validé mercredi 27 juin dans cadre d'une visite conseiller sécurité nationale Maison Blanche dans John Bolton dans ville Moscou.
Mes derniers rappels, Titio, ministre économie et financement, Jude Alix Patrick Salomon déposé jeudi 28 juin des projets loi dans le Sénat avec la Chambre députée. Youn, c'est projet loi rectificative budget 2017-2018 là. L'autre là, c'est projet loi finance 2018-2019 là. Dans le cadre de caravane changement, travail Kirage Rivière continue à avancer dans la rivière Coujol qui trouvait dans la ville Arcaye, département l'Ouest. Technicien CNE yo réparé et puis mettez opérationnel ADM yo matériel pour produire asphalte dans usine asphalte dans Akul Gromon qui dans département la Tibonite. Examen baccalauréat yo fini jeudi 28 juin sous tout territoire environ 144 000 candidats simi épreuve sa yo qui était commencé lundi 25 juin. À l'étranger, il y a un sommet bilatéral entre président américain Donald Trump et Tokay Rusli. Vladimir Poutine prévoit à dérouler dans la capitale du pays Finlande, Helsinki, 16 juillet 2018 là. Sommet ça visé baisser tension et puis améliorer relations des pays. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité ou attention. Je vous suivre, reste programmation télévision. Et n'abdio, passez une bonne nuit sous télévision pour là.